Voilà, on reprend. On reprend et on va voir ce que... Ah... J'ai bien fait de couper. Aucun regret, l'heure de l'affrontement final a sonné. C'est ta dernière chance d'acquérir des éléments d'armure, des objets à collectionner. Et avant la fin de l'histoire, veux-tu vraiment aller te battre Ben ouais, mais j'ai tout, non? J'ai tout. J'ai toutes les armures. J'ai tous les boulons. Boulons, j'en ai 25 sur 25, 10 sur 10, 12 sur 12. Non, j'ai déjà tout, hein. J'ai déjà tout. J'ai tout. D'accord, on doit la tirer jusqu'à nous. Alors d'accord. Je me suis dit que je pourrais me déguiser en robot, mais avec un très très grand chapeau. Vous savez ce que c'est ce bruit? Écoutez attentivement. Est-ce la peur? L'espoir? La mort? Ils vont tuer Kit? Non. Non, c'est moi. Triomphant. Comme d'habitude, me direz-vous. Oh, en effet. Mais vous, vous ne faites partie que d'une seule dimension. Qu'en est-il des autres? Je suis peut-être vieux jeu, mais j'estime que tout le monde a le droit d'être servi. Juste lui péter à la gueule. Alors, pour célébrer ce formidable événement, j'aimerais rendre hommage à ce cher docteur sans qui je n'aurais jamais eu de telles ambitions. En commençant il est en par panique, Nefarious. Sa dimension à lui. Quoi? Première étape, Mégalopolis, ou comme j'ai prévu de l'appeler, New Nefarious. It's Batman. Quand est-ce qu'on part? Let's fucking go, guys. On part maintenant. J'en ai bien peur. Eh, mais il a déjà tout défoncé. Après, on reconnaît. Hein. On reconnaît un petit peu Mégalopolis. L'empereur est véritablement en train de recréer sa dimension dans la nôtre. Nefarious, devant. Il n'y a pas de carte. Son attention, moi, je récupère le dimensionnateur par en haut. Oui, on te rejoint. Nefarious est sur le point de détruire notre dimension. Il faut à tout prix l'arrêter. Tu te tiens au courant des tendances. Tu check un truc. Parce que pendant l'arène, est-ce que j'ai level up des trucs level 5 là? Non. Ah si. Bon, pas 5, mais donnez quand même. Le fléau là. Si nous n'arrêtons pas l'empereur, qui sait le sort qu'il réservera à notre dimension? Ok. Mais le truc, c'est que là, faut que j'utilise le telt, hein. Avant de commencer quoi que ce soit, hein. J'ai fait quoi? Ça fait quoi? Je comprends pas ce que ça fait. Ça fracture l'espace-temps, en fait. Ça fracture l'espace-temps. C'est le dimensionnateur en telt, quoi. Merde, j'ai plus de balles. Ah mais merde, c'est des potes.
Mais j'ai bien que tantôt j'ai fait zéro dégâts sur le mec, c'est mes potes. Tire pas sur tes alliés. Pardon les gars. Ok, je crois qu'on en a fini avec les snipers. On y va. Ils vont mourir eux. Putain, je sais pas viser. Fuck me man. C'est bon. On est good. D'ailleurs, en parlant de casque, je peux pas mettre le nouveau casque ? Si, c'est trop mieux. On va vite fait les boulons. Colosse de Nefarius. Cette chose, ouais, ça va. On a l'habitude en vrai de combattre cette merde. Tous les ennemis, c'est devenu mes potes, hein, n'empêche. Oh, ces mecs au Gatling, hein, les pires. Hein. Merci. Chance l'autre fois à Nefarius, au pluriel. Il faut sortir les grands moyens. Nefarius, ce coïncidence. Enfin, un prétexte pour tester ma nouvelle combinaison. Où il est? Parti. Qu'est-ce que tu mijotes, Nefarius? Aucune idée. Je peux pas vraiment bouger, hein. Oh mais là il abuse Nefarius. Ça bah. Tu n'es plus en exil? Qu'est-ce qui te prend ces derniers temps? Oh, je préférais quand tu te tenais tranquille. Putain là c'est l'empereur qui me mord. Comment ça en exil? Vous m'avez pas encore croisé? Yvette, tu ne devineras jamais! Quantum? Mais. On a un plan. Essayez de l'occuper encore un tout petit peu. J'occupe. D'accord! Que penses-tu de mon nouveau look? Patron, tu je suis top man! J'ai très peu d'occasion de la porter! Vous avez eu raison,
partir pour votre enterrement. Allez, il faut juste affaiblir sa stupide combi énergétique. Beaucoup trop de PV ce bras. Allez, Nick. Comme si tu avais. Ah, mais c'est un Gundam. J'ai cru qu'il avait fusionné ou qu'il était devenu géant. Viens, nous avons une bataille à gagner. Vous allez assurer, Quantum. Empereur Nefarious, le bateau bombe. De destruction, de cruauté et de snobisme éhonté est révolu. Si ça se trouve, c'est encore Quartz qui va être le héros. La chair de poule. Damn. C'était excellent. Sautez. Oh, encore toi. Pika le kamikaze. Alors comme ça, cette dimension se fera plus maligne que moi. Le telt, il est où? Ce truc fonctionne toujours. Là, ça craint. Les gars, tirez sur les écrans. Stealth te lève le dos. Ce n'est pas très orthodoxe. Ça manque de génie d'imagination. J'ai plus de balles. Oh, plus de balles du Stealth, quelle tristesse. Et ouais, des grenades. Grenade. C'est là que j'ai eu le 700. Non. Bla bla bla. Bla 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 encore. Arrêtez de me. Au secours! J'ai fait bugger le jeu. Trop bien. Pour pas changer. Je vais te retrouver dans un endroit incroyable. Ah mais je suis mort. C'est tout est baisé. Je reviens même pas avec un mode PV. Oh mais quelle vie. What a vie quoi. On va le telt hein. Ah mais ils le disent en plus qu'il faut tirer sur les écrans pour avoir le bonus. Vérifions. Fuck me, deux fois à côté quoi. On se roquette. Vous croyez malheur? Qu'est-ce qu'on peut utiliser ça hein? Gatling gun hein. De temps en temps c'est la chose la plus simple à faire. C'est celle qui fonctionne bien. Contre un Nefarious aussi démesuré que son ego. On est presque. Tenez bon. C'est bon. Au dodge, Yann. Hein. Je sais pas comment il est là-bas, mais il utilise des portails dimensionnels pour se rapprocher de quoi, 300 mètres.
crit. Ah, j'ai plus de défense. Le tel, j'ai forcément des munitions. Même pas. Oh, quelle tristesse. Bon, je vais laisser les ZAD pour les autres. J'ai marre de tirer sur les ZAD. À l'occasion. J'ai déjà un œil qui est biaisé là. Fuck me. Y'a pas une petite balle de tête là pour se faire plaisir? Ça a l'air d'être bon. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait? Une balle de telt, please. Mes yeux! Pourquoi je suis effrayé? Mes yeux! Qu'on me répare ma combinaison et des garçons! Allez! Oh god, faut. Faut d'autres joues là-bas! J'ai des balles de tête ou pas? Oh, j'ai 5 balles de tête, let's go! Par ici, je peux vous faire entrer dans le cœur de Nefarious! Enfin, d'accord! Dépêchez-vous! Merci! Là, le cœur! En le détruisant, nous neutraliserons le robot tout entier! À quel du travail? Plus de balles. Totel. Des balles du telt. En avant, protégez le cœur. Oh fuck, y'en a pas. J'aurais dû bourrer. J'expédierai tous les fourbes et tous les ingrats de cette dimension. C'est le moment d'invoquer mes frères. Congélation. Ça a l'air de marcher. Le bordel. Quoi d'autre? C'est bon hein. Vous voyez pourquoi ma dimension est si dure à conquérir? Ce n'est pas à cause de moi. C'est parce qu'on casse les couilles. L'arme de base hein. L'arme du 1. Tu y es presque, continue. Quoi? Non! Ma cookie est détruite! Oula.
Je fais que ça, frère. Mais je pense que l'arme du 1, elle tiendra pas le coup. L'électricité du 1. Je sais pas, c'est où l'électricité, ça. En tirer sur une arme électrique avec de l'électricité, c'est chaud. Mais où sont les Lombax quand on a besoin d'eux? Ça va, franchement on a le Telt. Enfin un marteau quoi. Quitte. Oh let's go. Tu avais raison. Il est grand temps que j'arrête de fuir. Pas question que tu te battes toute seule. Je vais m'occuper de son armée. Tu t'occupes de lui. Bien vu, Kit. Il a gardé Telt. Je vais les retenir le plus longtemps possible. Il me fait des touches. Vous me faites. Ah mais le Telt ça va être compliqué contre lui. Parce que je le rate. De toutes les dimensions. Je vais tirer juste par terre. Ce n'est pas encore terminé. Il invoque la moitié de l'univers quoi. C'est même plus où il est l'ennemi. Ok, là. Arrêtez, Nefarius! Vous êtes en train de détruire la réalité! Si vous continuez! Et lui aussi, il a le Telt en fait! Merde. Oh, mais quelle tragédie! Je ne me laisserai pas humilier! Des PV? Après. J'utilise cette arme de mort là. Abandonne, sale vermine. Continue, tranquille. Aucune embrouille, aucune embrouille. Maintenant, quel est votre véritable visage? Avec toi, soldat. Nous allons leur montrer mon véritable visage. Kit, j'ai besoin d'aide. Oh, y'a Kit. Allez-vous-en. Merci du coup de main. Après tout ce temps, tu es de retour pour trahir ton empereur. Gâter 7416. Donc Rivette et Kit, comme ce chat. T'as seulement un mec Ratchet et Clank. Merde. Ah.
neutraliser le robot de guerre rebelle. Il ne m'approche pas. Kit, soldat lourd en vue. On va garder petit PV là, là-bas. Je n'ai pas encore qui vous casse. Merde, ah c'est le feu. Il est où studio? Faut que je l'aide. Je suis en mode elle combat tu vois. Mon crâne au secours. Faut pas arrêter de spawn là. Parlez-vous. Oh, pour l'instant, moi je replace mon casque. Je suis en train de perdre mon crâne moi quand je joue avec ce casque. Pas une petite arme intéressante là? Dégueu, c'est moi. Ça, c'est moi qui bug toujours les combats de fin. C'est court. Ouais, voilà, je crois que c'est bugger. Hein. Enfin, Nefarious a bugué. Ah, il est là! Ah! Il s'était caché! Le con! C'est pas grave, on lui en veut pas. C'est pas facile d'être ça méchant. On peut lui pisser dessus, quoi. On peut! Incroyable. On peut le congeler ou pas? Regardez-moi! Tremblez devant la toute puissance de votre seul et unique souffle. Ah merde, je suis en train de faire n'importe quoi là, faut que j'arrête. Fini avec mon arme de base. Grenade. Éliminez-les et tout de suite. Voilà d'autres soldats. Ensemble, nous les vaincrons. Ah, attends. On va leur donner une bonne leçon. Oh les soldats Gatling au secours quoi. Je vais sortir de l'arène quoi. Mes soldats, venez, mes loyaux sujets, venez tous, unissez vos forces pour défendre votre empereur bien-aimé. C'est la merde. Mais il reste plus, personne. Où sont-ils passés? Eh oh, il n'y a plus personne. Eh ben non. Ça suffit. L'heure de votre défaite a sonné. Les marteaux, hein. Vous pensiez vraiment m'avoir vaincu? Le mec il dit ça avec une gueule. Lâche-moi,
femme céphalopode. Pitié, à nous deux, on peut encore gagner. À votre tour de goûter à la défaite. Pamela. Forcément, quel idiot. Vous êtes vraiment des héros, tous les deux. Ça vaut aussi pour vous. Et si on réparait tout ça, hein? Ce sera avec grand plaisir. Réparation de l'univers. Ah mais Clank, c'est tellement... tellement une déité, quoi. Kit, je m'en veux pour tout ce que je t'ai dit. Oh. Tu es mon ami. Et... merci. Tu sais, d'être revenu. Et le pouvoir de l'amitié gagne toujours. Partenaire. Partenaire. Je crois que c'est l'heure de rentrer à la maison, non? Ouais. Notre dimension va avoir besoin d'aide pour se remettre de tout ça. En fait, on se demandait si vous accepteriez de faire un petit détour. Et où est-ce qu'on va? Je crois que tu le sais déjà. Est-ce que... c'est nous? Let's go, man. Ah, ça veut dire que peut-être que s'il y a eu un prochain jeu, on verra les longs max. Incroyable. Franchement, le jeu était trop agréable. Hein. Quel plaisir de refaire un Ratchet. Un petit jeu d'aventure comme ça. Ça fait du bien. Trop beau, hein. Trop beau la PS5. Le combat de fin, trop agréable. On a réussi à faire bugger le jeu, hein, comme d'habitude. Hein. Mais je suis deg, hein. Il n'y a pas eu une seule phase de Pamela. Avec Nefarious. Je trouve qu'il y a même pas son majordome pour lui donner un coup sur la tête après. Ah bah il est là. C'est lui dont je parle. Ah mais il s'est marié, il a fait un bébé, il a arrêté de travailler pour les méchants démoniaques. Development support lead. God. What a game, man. What a game, man. Collé en dessous, je sais pas, plus tard. Hein. Plus tard. Là, je vais peut-être aller sur FF après. Mais le prochain jour, on fera peut-être des autres choses. Mais j'hésite, soit on fait des autres choses, soit on fait. Tears of Arise. On verra ce qui me donne envie. Mais le français il râle pour tout ou c'est moi? Quel français? Les français tu veux dire, j'en sais rien. Enfin ouais, les français ils râlent pour tout, c'est la base. D'ailleurs le doublage de ce jeu est incroyable. Hein. La voix de Glitch, hein, j'essaie toujours de savoir c'était quoi, hein, c'était qui plutôt. Mais j'ai trop kiffé les phases avec les mini-jeux Glitch d'ailleurs. Et les mini-jeux de résolution d'énigmes avec Clank et Kit. Le délire qu'il y ait une autre Lombax, enfin qu'il y ait un autre, il y a un double de tout le monde, ah bah voilà Glitch. Avec les dimensions parallèles, incroyable aussi. Hein. Le jeu était trop bien. Trop agréable. Je sais pas combien de temps j'ai mis pour le faire. Regardez peut-être toutes les vidéos, combien elles durent. Mais je pense au moins 15 heures. Toujours pareil, moi pour faire un jeu je mets 50 heures de plus que ce qu'il faudrait.
mais c'était très très bien. Trop trop bien même. Ratchet. Je me rends pas compte, il y en a tellement. Il y a tellement de trucs bizarres au milieu qui sont qui n'est pas Ratchet. Je dirais une quinzaine d'heures. Vous voyez qu'il y a, des... il y a une vidéo à la fin. Donc il râle qu'il y a moins de boutons de sub-banner, IPP. Mais c'est, ça a l'air décevant d'avoir moins de boutons, mais en vrai c'est juste parce qu'ils sont sur la même touche. Mais en vrai il y a plein d'actions, c'est juste c'est la même chose. C'est le même bouton. Moi je suis content hein, parce que Summoner où les gens ils se rendent pas compte, hein. Il y a trop de trucs à faire, il y a trop de boutons, ça rend fou. Hein. Faites les doigts, ça fera plaisir d'avoir moins de boutons sur lesquels appuyer. Hein. Les dots, hein, ils sont enfin partis, ça fait plaisir. Les dots, au pire, ils auraient pu laisser Tri-Désastre et tu fais que le mettre, mais ce serait un truc useless. Ouais. Chaque fois que tu mets Tri-Désastre, ça sert à rien. Parce que techniquement t'as genre 3 phases, 4 phases. Enfin, t'as 3 phases de genre 4 boutons et t'as juste 4 boutons au lieu de 12, tu vois. Parce que les boutons Ifrit, Garuda, Titan, ils sont tous sur la même touche. Les boutons Phoenix et les boutons Bahamut sont tous sur la même touche aussi. Donc dans ta liste de sorts, t'as sans doute pas mal de sorts, mais ils seront tous sur la même touche. Et quand tu regardes, en vrai, t'as aucun bouton hein, sur Summoner. Hein. Les gens qui sont possédés. Hein. T'as Ruine, Ruine 2, on les a toujours. Aspiration d'énergie pour le truc. T'as les deux dots, tu vois, mais ils vont partir. Et Tri Désastre. Donc t'as 3 touches en moins. En gros. Le reste, tout est là. Hein. Sauf les deux. T'as les deux spells du pet, mais t'as deux buffs de pet maintenant. Il y en a un qui donne Ruine 4 et il y en a un autre, je sais pas ce qu'il va faire. En plus, spammer les attaques du pet, ça rendait fou. Hein. Non, je suis content parce que ça veut dire que t'as plus d'invocation à gérer. En fait, c'est juste tu changes. Tu deviens des DPS comme les autres. Juste, c'est stylé par rapport aux autres. Oh, c'est incroyable. Ça finit vraiment par des lala. On va passer quand même. Félicitations, tu as terminé l'histoire principale, tu as débloqué le mode défi, conserve tes armes et recommence toujours en difficulté maximale. Mais on l'a déjà fait pour obtenir. C'est vrai qu'on était en difficulté maximale. Mais après ça allait, créer une nouvelle partie en défi à tout moment depuis le menu titre, retourner chez Zurki, retourner au menu titre. Zurki ? Ah oui, c'est avant le combat final, retourner au menu titre. Bah c'est bon, c'était un plaisir de jouer à Ratchet. Le jeu a été fait à 100%, pour pas changer, toujours le petit plaisir de faire les jeux à 100% ici. Bah, on va le mettre. Comment qu'on fait ? Avant que je fasse mon idiot, peut-être arrêter la vidéo là. Mon avis sur le jeu, c'est qu'il est excellent. C'est un parfait moyen de se ressourcer hein, dans le jeu vidéo. Parce que là, il y avait trop de jeux du tryhard, trop de jeux de la prise de tête. Là, c'est un petit jeu à l'ancienne. T'as l'impression d'être un enfant. T'es posé, tu lances ton petit Ratchet, tu fais ta petite histoire principale tranquille. Franchement, c'était cool. Les armes sont sympas, les dialogues aussi. T'avances, tu joues, tu te fais pas chier, tu vois. Y a pas de réflexion, prise de tête ou quoi que ce soit. Un bon petit jeu pour s'amuser. Et c'est ça qu'on veut. Quel plaisir. On verra ce qu'on fera après. Allez, je coupe ici.